Mais un point commun que je voyais finalement aux deux interventions qui ont été faites, c'est que le numérique, on parle du numérique, on dit le numérique, les nouveautés, le numérique transforme, le numérique change les choses, mais ce qu'ont montré les différents présentateurs, c'est que le numérique s'insère aussi nécessairement dans, comment est-ce qu'on pourrait dire, dans un tissu, dans une tradition, dans de l'existant, que ce soit au niveau théorique, au niveau institutionnel, etc. Et la question qu'il pose, c'est pas tellement qu'il va, en tout cas si j'en crois les présentations, c'est pas nécessairement qu'il va tout changer radicalement parce qu'il y a du numérique tout d'un coup, mais c'est que le numérique va amener à interroger ces questions-là. Et en particulier, moi, la question qui m'a frappé et qu'on retrouvait, mais en creux, de manière inversée dans les deux présentations de la session, c'est la question du rapport compliqué du numérique. La session était sur le numérique, les médias et les jeunes. Le rapport compliqué du numérique à l'institutionnalisation. C'est-à-dire que au niveau du côté de l'école, de l'enseignement formel, il y a une espèce de réticence institutionnelle, d'inertie institutionnelle à aller vers les médias et vers le numérique. Pourtant, le numérique s'y insère, je dirais, par la bande, par des pratiques. Et puis après, la question, c'est de savoir quelle est la place et quel est le statut institutionnel qu'on va donner à ces pratiques, à ces objets, etc. Alors que du point de vue, j'irais, du terrain non académique, non éducatif, en dehors de l'enseignement, on a énormément de pratiques. Et là, la question qui se pose n'est pas tellement de savoir est-ce qu'on peut faire du numérique, est-ce que c'est autorisé, puisque de toute façon on en fait, et puis c'est un marché, c'est un business, ce sont des pratiques associatives, etc. Mais la question qui se pose plutôt, c'est comment peut-on les cadrer, comment peut-on les intégrer dans des logiques pédagogiques peut-être plus réfléchies ou plus cohérentes.